Bonjour à tous. Cette semaine, je suis très heureuse de découvrir avec vous un tout petit pays. Un pays qui est au cœur de l'Europe, qui compte un peu plus de 500 000 habitants. Un pays que j'aurais pu traverser en une journée. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit du Luxembourg. Alors, on associe souvent cette destination à une place financière. Moi, j'ai envie de vous montrer que c'est aussi un site touristique. L'objectif de mon voyage, c'est d'approcher au plus près la famille grand-ducale, qui est un petit peu la famille royale du Luxembourg. Point de départ, Luxembourgville, une capitale que je vais visiter en compagnie de Paolo, un copain photographe. Il est là-bas. Salut Paolo. Salut Sophie, ça va? Je t'embrasse. C'est une bise ou deux bises ici? Ça dépend, on est multiculturel, donc on prend tout. D'accord. Si on veut quatre, voilà. Bon, bah deux, c'est bien. C'est très bien. Ouais. Ah, je vois que tu étais inspiré là en m'attendant. T'as pu prendre plein de photos? Eh oui, moi je m'occupe. J'ai toujours l'appareil avec moi. J'aime beaucoup le contact avec les gens, les prendre en photo, parler avec eux. Mais j'aime aussi la ville. Et j'aime bien quand il y a les deux qui vont ensemble. Mm-hmm. Donc, ici, on a un beau point de vue. Bah oui, dis donc, t'as choisi un bon emplacement là. Ouais, bah, ici, on a vraiment la vision panoramique sur différentes parties de la ville. Alors, Luxembourgville, il y a une ville basse et une ville haute. La ville basse, moi j'ai plutôt l'habitude de l'appeler le Grund. Ouais. Moi, comme beaucoup de gens, le Grund, la vieille ville. C'est le quartier historique avec beaucoup de maisons anciennes. Mm-hmm. Les gens descendent un peu pour boire un verre, pour être ensemble. Et puis la ville haute où il y a en fait toutes les activités qui se concentrent, activités commerciales, les bureaux. Alors, quand on regarde la vieille ville, on a quand même du mal à s'imaginer qu'on est dans une capitale européenne. Il est où le Luxembourg, enfin l'aspect européen de Luxembourgville? Oui, à partir d'ici, on peut se tourner et là, on a l'image qui représente un peu... Ça, c'est le Luxembourgville moderne. Tout ça, c'est une autre ambiance. Là, ce sera probablement plus l'image qu'on se fait de Luxembourg, ville européenne, capitale de l'Europe. Tandis qu'ici, c'est plutôt une ville bien tranquille, bien pépère. Ben moi, j'ai très envie de découvrir le côté pépère de Luxembourgville. Tu viens bien m'accompagner? Ok, on va se promener. Luxembourg, c'est un peu le pays du soft tourisme. Il faut prendre le son tourisme temps. Doux. Le tourisme doux, oui, à la française. Il faut prendre son temps. C'est pas un pays qui va se livrer directement comme ça. C'est pas un pays où il y a du grand spectacle. Il faut regarder et on va trouver des petites choses. Par exemple, les jardins là-bas. Oui, sont des jardins potagers au cœur de la ville. Jardins potagers. Ils ont été aménagés par la ville de Luxembourg. D'accord. Il y a vraiment des choses qui sont cultivées et qui sont même, je pense, acheminées vers le marché. Et ces petits jardins-là, on les retrouve essentiellement dans la ville basse, dans le Grund. Oui, en terrasse, comme ça. On les retrouve entre l'abbaye de Neumünster et les passages qui mènent vers la ville haute. Voilà un joli petit marché très coloré. Oui, c'est le marché sur la place du marché, en plein cœur de Luxembourg, juste à côté de la cathédrale. Comment on dit bonjour d'ailleurs en luxembourgeois? On dit moyen, bonjour, moyen. Ou alors good moyen pour dire accentuer encore plus la chaleur. Ouais. On entend parler un petit peu toutes les langues sur ce marché. Oui, on tend l'oreille à gauche, à droite, et voilà, il y a du français, de l'allemand, de l'anglais, peut-être du portugais, et sûrement du luxembourgeois. Oui. Dans l'imagerie populaire des Européens, le Luxembourg, c'est une ville et des banques. Il faut dire qu'avec 150 établissements bancaires, le Grand-Duché est le deuxième centre de fonds d'investissement au monde après les États-Unis. Mais Luxembourgville, c'est aussi l'un des trois cœurs de la communauté européenne avec Strasbourg et Bruxelles.
Ces deux secteurs d'activité attirent chaque matin 150 000 travailleurs frontaliers venus de France, de Belgique et d'Allemagne. À côté de cette immigration journalière, 160 nationalités différentes sont représentées au Grand-Duché, comme Suzanne Ediara, venue du Congo et du Sénégal. Moi, je suis du Sénégal, je suis arrivée directement en Allemagne. C'était un peu triste parce que je ne parlais pas la langue. Et on a quitté l'Allemagne, on est parti en France, de la France, la Belgique et la Belgique, Luxembourg. Et c'est un très, très, très beau pays. C'est, côté adaptation, je suis arrivée tout de suite, ça m'a plu. En attendant d'ouvrir un restaurant africain, Suzanne et Diara vont présenter leur cuisine à l'occasion d'un rassemblement gastronomique. On a trois plats, c'est ça. Mm-hmm. On a le poulet à la moine, on a le yassa, mm-hmm, et on a les mafé. C'est sénégalais. La population luxembourgeoise a augmenté de 100 000 habitants en 30 ans. C'est la plus forte progression en Europe. C'est un pays riche qui a créé énormément d'emplois ces dernières décennies et qui a besoin pour ces emplois-là de recourir à une main-d'œuvre qu'il n'y a pas. Et il a créé aussi par là une dépendance qui est plus forte que nulle part ailleurs, puisque on peut dire que 2/3 des emplois sont faits par les étrangers, soit résidents, soit frontaliers. C'est une question de survie. Sans la main-d'œuvre étrangère, on fermerait la boutique dans les 5 minutes. Et vous ne voulez pas goûter les bananes? Vous connaissez? Non? Alors je vous fais goûter un peu. Les immigrés ont ainsi naturellement investi des secteurs en demande de main-d'œuvre, comme le bâtiment ou le commerce. C'est le cas de Mensour et de sa femme, arrivés du Monténégro pour ouvrir une épicerie. Nous, on travaille avec toute communauté, avec beaucoup de gens de différents pays. Hein. Il y a en fait dans la journée peut-être 20 ou plus origines, hein, gens qui viennent de différents pays. Et ici, il y a un mélange, il y a des produits de toute Europe en fait. Hein. Ça, c'est aussi les produits du Portugal. Car sur les 500 000 habitants que compte le pays, presque la moitié sont portugais ou d'origine portugaise. Le Luxembourg a favorisé une immigration d'origine catholique, espérant ainsi faciliter l'intégration. C'est le cas de Patricia et Tania, qui ont une manière bien à elles de mélanger leur identité luxembourgeoise et portugaise. Il est beau, hein? Oui. Il ne precisait pas mettre autre chose? Non, non. Parce qu'il n'était pas trop transparent, non? Non, non. Ça va, il était bien. Hein? Yeah. T'as vu sur les photos? Oui, yeah, je suis cousine. Mais dans la chaîne. Vamos. Yeah. Vamos là. En grandissant dans un pays où cohabitent trois langues officielles, le français, l'allemand et le luxembourgeois, plus les langues propres à chaque communauté, la jeunesse a ainsi inventé son propre langage. Cheeseburger, voilà. Va ton chat, c'est pas comme ça. Avec le Nantes. Bah avec tout ce qu'on fait dans notre mode de consommation. Non, ja. Als ganz Konsumgesellschaft an einen Burger verpackt. Logisch, c'est compliqué, du. Entre les jeunes, je dirais qu'il y a beaucoup qui mélangent. Oui, ils mélangent tout. En fait, on commence à parler le français avec un peu de luxembourgeois dedans et puis il y a le portugais qui rentre. Oui. Je crois on qu'il fait y a... même pas attention oui. Parfois. Ça vient automatiquement, mais c'est aussi parce qu'on connaît ces langues-là, alors c'est plus fort que nous. Parfois, on parle l'allemand, le luxembourgeois, après ça vient vite le portugais. Voilà. Aujourd'hui, Patricia et Tania, ainsi qu'une 20aine d'autres portugaises, se préparent pour l'élection de Miss Portugal au Luxembourg. Un concours très populaire au Grand-Duché, suivi de près par les médias. Je crois qu'on a un petit peu toutes les identités, parce que bon, on est portugaise dans notre cœur, mais on est quand même luxembourgeoise parce qu'on vit là depuis toute petite. Indirectement, c'est notre pays, c'est notre deuxième pays qui a exactement la même place que le Portugal, quoi, parce qu'on est là depuis toujours. Et puis, on a un mélange des deux cultures. Je crois qu'on est un petit peu des deux, disons ça comme ça.
Il y avait beaucoup de fêtes portugaises, mais rien n'était différent. C'était des bals, des concerts. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas montrer aussi que la communauté portugaise peut faire autre chose de différent. Et pourquoi pas montrer les belles filles qu'on a dans notre pays, quoi. Voilà. Et surtout aussi avoir une fille qui puisse représenter la communauté portugaise à Luxembourg, étant donné que c'est la communauté la plus grande qui réside au Grand-Duché de Luxembourg. C'est la communauté lusophone. Les deux Miss rêvent de représenter leur communauté au Luxembourg et pourquoi pas d'être sélectionnées ensuite pour l'élection de la vraie Miss Portugal, mais à Lisbonne cette fois-ci. Très bien, oui, regarde-moi, ça c'est super. Un nouveau Hermoine, ok. Très bien, joue, oui, avec ça. Ça se passe bien tes prises de vie avec les Miss? Ouais, non, elles sont très sympas, elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Tu fais un dur métier, hein. C'est assez difficile parfois, mais bon, je me plains pas, c'est vraiment très agréable. Ouais. Et puis, c'est pas fini, hein. Ce soir, c'est la grande finale. Ah, Vénard. Bah oui, Vénard. D'accord. En même temps, ça va être plusieurs heures de travail. De travail, de stress. Mais moi, je vais me coucher pendant ce temps. Et dis donc, tu veux toujours pas me dire ce qu'on fait demain? Bah écoute, demain, c'est la grande surprise. Là, je peux pas te révéler ça encore. Non, tu verras. Tu vas me présenter quelqu'un que t'aimes bien, tu m'as dit. Ouais. Personnage super sympa. Bon, écoute, avec plaisir. Bon courage pour ce soir, merci. En tout cas. Ok, ouais. Bien déchiré là, en bien deux morceaux. Ouais, on voit bien les bouts. Ouais, on voit bien les bouts. Hein. Et c'était une fois un annuaire. Salut, ça va? Salut Paolo, salut, ça va? Tu vas bien? Sophie, oui. Bonjour. Je te présente, bonjour Georges, Sophie. L'homme le plus fort du monde. Ah bah ravi de vous rencontrer. Du monde et des environs. C'est ça. Paolo m'a dit, j'ai une séance photo avec un homme très particulier, mais je ne m'attendais pas à rencontrer l'homme le plus fort du monde. Mais c'est officiel. Disons, dans différentes disciplines, j'ai en fait... établi jusqu'à présent 26 records pour le livre des records. D'accord. Et c'est de là... qui m'avait donné ce titre, mais moi, je me considère juste comme un spécialiste des tours de force. D'accord. Alors, quels sont vos tours de force les plus célèbres? Disons, peut-être les plus spectaculaires. Il y en avait un qui consistait à retenir 3 avions de sport qui tiraient à pleine puissance, un entre les dents et les 2 autres dans les bras. Un autre consistait à tirer un wagon de chemin de fer de plus de 20 tonnes, aussi avec la force de la mâchoire. Et puis, il y avait les records comme déchirer des annuaires, tordre des barres en fer, même avec la force des poumons, gonfler du bouillotte jusqu'à ce qu'elle éclate. Ça remonte à quoi, alors, cette tradition des hommes les plus forts du monde au Luxembourg? Ça existait aussi dans d'autres pays, mais à Luxembourg, c'était un peu une tradition. Parce que ça vient, en fait, d'une époque où le sport et le spectacle, tout était un peu mélangé. Il y avait les hommes forts qui se produisaient lors de compétitions sportives, mais on les retrouvait aussi dans les cirques, dans les théâtres et même sur les places publiques. J'ai l'impression que tu mets beaucoup de second degré derrière tout ça. Tu fais ça avec beaucoup d'humour, en fait. Oui, il faut quand même toujours avoir de l'humour pour tout ça. Bien sûr, quand on fait l'entraînement, il faut faire l'entraînement sérieusement, ça c'est normal, on ne peut pas le faire en rigolant, mais disons maintenant c'est quand même quelque chose d'un peu anachronique, moi je fais quelque chose qui existait plutôt il y a 100 ans, moi je suis un peu une sorte de dernier mohican qui fait encore ce genre de spectacle. Je vois que tu as plein de photos là derrière nous, voilà. C'est qui tous ces gens? Ça c'était un athlète allemand. Le même que l'on voit ici à côté. Il se battait contre des éléphants, lui. Voilà, lui, il se produisait dans un cirque et il faisait la lutte contre un bébé éléphant. Mais à la fin, il pesait
quand même 600 kilos. Là, il a dû arrêter après quelques temps. Je vois qu'il y a des femmes aussi. Il y avait une athlète qui s'appelait Atleta. Elle faisait même un numéro où elle était allongée et sur son torse, il y avait une planche où il y avait deux chevaux qui balançaient alors qu'elle devait alors supporter le poids sur son corps. Et ça te demande une préparation particulière de soulever quelque chose avec les dents? Tu peux me montrer ou pas? Sans te blesser, hein, sans te faire mal. Sans, je pourrais éventuellement soulever une table avec les dents où tu serais assise dessus. Hein. Oui, mais je voudrais vraiment pas que tu te fasses mal. Hein. Non, non, messieurs. Ça va, Georges? Oui, oui, il est... Non, mais tu es complètement fou! Ah ben, il faut être un peu fou quand on fait ce genre de métier. Est-ce que tu as une potion magique pour réussir à faire tout ça? Ben, il y a 100 ans, les hommes forts, ils avaient toujours une potion magique qu'ils vendaient sur les foires. Et j'en ai une aussi. Hein. Ah bon? Tu nous l'as fait goûter? Avec plaisir. Parce que je serais curieuse de savoir si j'arrive à être aussi forte que toi. Ben, de toute façon, quand tu l'auras bu, tu pourras tout faire, tout ce que j'ai fait. Hein. Bien sûr. Alors, elle s'appelle de Starkman. Alors, c'est du luxembourgeois, ça veut dire l'homme fort. Il faut quand même boire avec modération. Que goûter, alors hein. C'est du bon. Ah oui, ça se réveille vite en bouche. C'est on fort, voit déjà la force qui se développe. Hein. Ah oui, là, tout de suite. Alors, attends, on va voir si ça... Ah, ça s'appelle pas pour rien, de Starkman. Hein. Alors, vas-y, fais-moi soulever un poids pour voir. Attends, mais je vais prendre là. Allez. Attends. Il pèse combien, celui-là? Là, on est à... Oh là là, je sais même pas... Plus normalement... Ah ouais, trop facile. Regarde, j'y arrive. Encore. Une main, encore. Avec bravo, deux doigts, Sophie. Bon, d'accord, j'ai triché, c'était une tirelire, je l'avais vu. Ouais, tu as cru, hein, Polo. Oui, au Luxembourg, il n'y a pas que les hommes forts qui font le spectacle. Preuve en est le dynamisme de la scène musicale jeune. Pedro, le portugais, Arnaud, le français, Ben, l'anglais et Javier, l'espagnol, ont 16 ans. Et ce jour-là, leur groupe est invité à se produire en direct sur les ondes d'une radio associative. Spécial BM Show Live Session, c'est la première fois qu'un groupe vient avec ses instruments. On en est ravis. The second, second song. Ces quatre garçons dans le vent sont à l'image du pays, cosmopolites. Des ados pour qui être européen signifie quelque chose. Nous, on a l'école européenne. Nos parents travaillent généralement dans la Commission européenne, donc c'est tout ce qui est la Cour de justice, etc. Donc tout ce qui est Europe, c'est vrai qu'on... Et on a beaucoup de contacts avec des personnes qui ne sont pas de notre propre nationalité. On a toujours un cliché sur tel pays et tout ça, et on voit que c'est bien différent quand on habite au Luxembourg. Autre signe de la bonne santé artistique de la jeunesse du Grand-Duché, le succès du festival On Stage, sur scène en luxembourgeois. Ce rendez-vous annuel offre à tous les musiciens et artistes peintres de ce petit pays de 80 km sur 52 l'opportunité de faire connaître la création locale et d'être repéré par les producteurs. J'aime bien la France, je respecte la France, j'ai grandi avec le rap français. Mais voilà quoi, on a notre histoire. Et il est temps qu'on se batte pour notre connaissance. Ce qui est unique ici au Luxembourg, c'est ce mélange de langues. Ici, il y a vraiment beaucoup d'étrangers. Et ce qui rend les hip-hop ici au Luxembourg très exotique, il y a un peu de tout. Disons que ça va vers le bon chemin. Il manque des labels au Luxembourg. Il manque des gens qui sont prêts à parier sur le bon cheval. Je vous dis tout de suite, Rebelle, c'est l'étalon noir. C'est celui qu'il faut miser quand il y a une course de fond. Les Luxembourgeois détiennent le plus haut revenu par habitant au monde.
S'il est bien difficile de chanter la révolte dans de telles conditions matérielles, la crise financière de 2008 n'a pas épargné le Grand-Duché. Aujourd'hui, comme les autres Européens, les ados du Luxembourg découvrent le sentiment d'insécurité face à l'avenir. Moi, je me souviens que quand je suis sortie de l'université, il y a quand même pas mal d'années, nous avions tous un job déjà à la clé, alors que ce n'est plus le cas maintenant. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui se cherchent de plus en plus par le biais de l'expression créative. Le théâtre luxembourgeois, lui aussi, se porte très bien. Théâtre d'avant-garde, performance de rue ou grand classique, le temps d'une journée, toutes les compagnies du pays ont elles aussi l'opportunité de présenter leurs productions. Moi aussi, j'agis pour mon indépendance. Je fais du babysit. Enfin, si je fais du babysit, c'est pas vraiment pour le fric. Vous savez qu'on peut pas imaginer jouer Goethe en français au Luxembourg ou Molière en allemand. Mais les gens sont capables d'aller suivre un Molière en français ou un Goethe en allemand. D'ailleurs, tous les films à Luxembourg ne sont jamais qu'en version originale sous-titrée. On peut pas imaginer une VF ou une VL, même une version luxembourgeoise. Donc c'est ça qui fait que c'est extrêmement vivant. C'est une espèce de creuset. La vie culturelle à Luxembourg est extrêmement diverse, variée, intense. Et on se réjouit assez souvent de savoir que le budget du ministère de la Culture à Luxembourg dépasse les 1,5%, alors que le rêve du 1% de messieurs Malraux et Lang, on court encore derrière, pas très loin d'ici. Quand les salles parisiennes sont archi-combles, une bonne idée, sauter dans un TGV et assister au spectacle des plus grandes stars mondiales lors de leur fréquent passage à Luxembourgville. C'est Jacques. Salut Jacques. C'est vous qui avez le privilège de conduire ce joli train? Ben, je vous dirai directement que c'est probablement ma dernière tournée que je fais, vu que j'aborde les 78. D'accord, ben c'est un moment émouvant alors pour vous, oui, j'imagine. Oui. Ça fait combien de temps que vous conduisez ce joli train? Ben, depuis le commencement de la société, il y a 40 ans. J'étais peut-être un peu prédestiné parce que je sors d'une famille de chemin-ferriste. Alors, je vivais entre les trains. Hein, on habitait les gares. Et quand je suis devenu plus grand, tout d'un coup, quand les vapeurs ont disparu, alors les plus jeunes me demandaient comment ça a été ici, comment ça a été là, à cette station-là. Alors comme ça, je pouvais tout raconter aux autres, comment tout ça s'est passé dans le temps. Donc ça fait 40 ans qu'il y a des passionnés de vieux trains, voilà, ici, qui font fonctionner ces vieilles machines. Voilà. Exactement. On veut recréer l'ambiance du chemin de fer du début du XXe siècle. Et la ligne a été construite dans les années 1870 et elle a fonctionné tant qu'il y a eu de l'exploitation minière ici dans le coin. Et ça, c'était au début des années 60. Il y avait besoin du chemin de fer pour faire avancer la sidérurgie. Et la sidérurgie, c'était le premier fournisseur pour les chemins de fer. Les grands ponts, les grandes constructions et tout ça, ça a été en relation avec le chemin de fer. Mais nous sommes en première classe. Ah, exceptionnellement, on roule en première classe.
train de 1900, j'emprunte un petit train cette fois. Nous allons visiter une mine de fer. Cette mine de fer, elle a été en activité jusque dans les années 1961 et elle est devenue Musée National des Mines en 1973. Et c'est Betty Franson qui va nous faire la visite. Ça, c'est gentil. Betty Franson, c'est un mineur qui a travaillé dans ces galeries et qui aujourd'hui a 83 ans et qui possède toute la mémoire de cette mine. Alors ici, on est à peu près 50 mètres en dessous de la terre. Là, vous voyez un wagonnet qui a commencé à charger. On peut ici charger au moins 2 tonnes et demie de minerais dans ces wagonnets. C'était très dur à faire. Hein. C'était toujours chargé à la main. Hein. Alors, pour faire une bonne journée pendant les 8 heures qu'on a travaillé ici, il fallait charger au moins 10 wagonnets pour gagner assez. Ben, j'ai commencé dans la mine à l'âge de 15 ans. Il y avait d'autres membres de votre famille qui étaient mineurs aussi? Oui, parce que toute ma famille, tous mes oncles, tous c'était des mineurs qui ont travaillé ici. Donc beaucoup de familles ont été concernées par la mine. Beaucoup de familles, et ce que Métis n'a pas encore dit, c'est qu'il a fait son apprentissage pendant l'occupation allemande. Ah oui, En France. C'était en 1942. En France. En France. D'accord. Oui, parce que j'ai encore une petite pension qui vient de France. D'accord. À cause de quand j'ai travaillé. En 1942, 49 euros tous les mois. Ah oui, oulala, c'est une belle pension ça. Est-ce qu'il y avait des passages secrets entre la France et le Luxembourg dans ces mines? Surtout dans les mines, beaucoup de jeunes gens qui se sauvaient pour pas aller à la Wehrmacht passaient en dessous de la terre en France. Ouais. Alors ici, c'était aussi la place du casse-croûte. Ils étaient de quelle origine, les mineurs qui travaillaient ici? C'était des mineurs de partout. Beaucoup de Polonais sont venus ici, beaucoup de mineurs, même aussi des Italiens qui sont venus travailler ici chez nous. Même des Espagnols étaient partout, on peut dire. Il y avait des Allemands, des Français aussi? Des Allemands, des Français, des Espagnols, et puis de partout. C'était déjà l'Europe avant l'Europe? Oui, on peut dire. Je peux vous déranger une minute? Oui. Bonjour, je voulais savoir si la navigation sur la Moselle était calme. Au moment, c'est calme. Parce que dans ce trajet-là, on a beaucoup de bateaux de plaisance. Ce bateau est un peu un symbole pour le Luxembourg. Oui, on a l'histoire, par exemple, c'est l'accord de Schengen. Il a signé à Schengen, mais c'était sur le bateau Princesse Marie Astrid. Les accords ont été signés sur le bateau? Sur le bateau, il est signé sur le bateau, oui. C'est l'un des noms les plus connus des Européens. Mais avant d'être le symbole de la libre circulation en Europe, Schengen est un petit village de 600 habitants, blotti au milieu des vignes sur les rives de la Moselle, à quelques hectomètres de l'Allemagne et de la France. Europhile convaincu, Roger Weber, maire de Schengen et viticulteur, n'hésite pas à assurer lui-même les visites guidées du musée européen ouvert en 2010. Nous sommes très fiers que cette signature ait été passée ici à Schengen. Parce que tous les visiteurs qui passent ici à Schengen sont des Européens. Presque tout le monde, quand on ne passe pas ici, seulement pour faire des vacances, mais pas ici à cause de l'Europe. Chacun me demande toujours où est ici le centre. Je dis toujours, vous êtes ici le centre. Chacun pense que Schengen était une ville ou un centre de congrès, mais quand même Schengen est seulement un petit village, un village
avec les viticulteurs. Mais Chalet n'est pas beaucoup plus grand qu'avant. Hein. Le 14 juin 1985, les cinq pays signataires se réunissent sur le Marie Astrid pour entériner la suppression des contrôles douaniers aux frontières. Le député européen luxembourgeois Robert Goebbels se souvient du peu d'enthousiasme que suscita cet événement à l'époque. J'avais fait un petit discours en ma qualité d'hôte. Et à la fin de ce petit discours, j'ai dit ce que nous allons signer maintenant va rentrer dans l'histoire comme traité de Schengen. Et tout le monde a rigolé, moi compris. Personne d'entre nous n'a vu ce que Schengen allait devenir par la suite. Ce qui est documenté par le fait que les ministres des Affaires étrangères avaient envoyé leur second couteau. S'ils avaient su, les ministres de l'époque, que Schengen allait devenir quelque chose d'important, ils seraient probablement venus eux-mêmes pour rentrer dans l'histoire. En 1990, Schengen verra la signature d'un deuxième accord en présence notamment d'Edith Cresson, à l'époque ministre des Affaires européennes, un peu fâché avec les noms à consonance germanique. Edith m'a dit, mais Robert, pourquoi tu as choisi de faire signer ici dans ce lieu au nom imprononçable de Schengen, hein? Et j'ai dit, Edith, mon idée première était de signer à Schlindermanderscheid. Elle m'a regardé d'un œil étonné et m'a dit, tu as bien fait de signer à Schengen. Aujourd'hui, Schengen, c'est un espace sans contrôle, aux frontières de 25 pays pour plus de 400 millions d'habitants. Alors la Moselle, c'est un petit peu un point commun entre la France, le Luxembourg et l'Allemagne. Oui. À partir de Thionville jusqu'à Coblenz, c'est le voie d'eau international. Mm-hmm. Si on veut ici changer quelque chose, ce sont les trois pays qui ont quelque chose à dire. À ce rythme-là, on peut vraiment apprécier les rives de la Moselle. Oui, le matin, c'est très joli, s'il y a encore du brouillard et c'est le soleil qui vient doucement. Et on voit des pêcheurs là. Oui, c'est calme, hein, c'est rafraîchissant. Bonjour. C'est un bon coin de pêche ici? Oui, c'est très bien de pêcher ici en Moselle. Ça mord? Oui, un peu. Un peu? Qu'est-ce que vous pêchez là? Je prends un peu des gardons, ouais. Un peu des perches et quelques chevennes. Ouais. J'ai vu des coupes là dans votre voiture. Ça sent les coupes du champion du monde 2010. Et c'est moi. Vous êtes champion du monde? Ah oui, devenu en Mérida, en Espagne. Ah bah bravo, au mois dis de donc. Juin. Merci. Et vous êtes, est-ce que vous êtes le premier champion du monde luxembourgeois ou il y en a oui. eu d'autres avant vous? Non, c'est moi le premier. Ah bah, doublement bravo alors. Merci. Ça a dû être une fierté pour vous. Oh oui, oh, je ne le crois pas encore. vous n'en revenez toujours pas. Et vous pêchez tous les jours? Non. Non. Non, malgré tout, je dois travailler aussi. C'est quoi votre métier? J'ai un magasin de pêche, gérant dans un magasin de pêche. Ah bah c'est logique. Complètement. Complètement pêcheur. Et quand vous fermez le magasin, vous venez pêcher. Ah, il y en a un. Tout à fait. C'est un gardon. Un petit gardon. Et vous en faites quoi de votre poisson après? On les rejette dans l'eau. Ah, je vous félicite. Ça, merci. C'est un vrai pêcheur. Un vrai pêcheur. Et vous permettez que j'essaye? Bien sûr. C'est vrai? Alors par contre, moi, il y a un truc que j'aime pas trop dans la pêche. Lequel? C'est les asticots. Ah mm. Ça vous gêne pas de les mettre? Non, pas du tout. Ah, bah c'est gentil. Et je vous ai pas demandé votre petit nom. C'est comment? Franck? Oui. Moi, c'est Sophie. Ça mord, là, non? Franck? Non, ça mord pas. Bah, il manque un peu la technique. Comment ça, il manque la technique? Ah, dites oui. donc, je vous permets pas. Alors on remballe. On remballe. Et si vous voulez, vous venez avec pour prendre un petit verre. Ah bah avec plaisir, oui, c'est gentil ça. Je veux bien.
C'est joli chez toi, là, entouré de vignes. Super joli, très calme. Ouais, c'est un très beau coin. Écoute, à ta santé, champion, alors. À notre santé. Merci. À la nôtre. Tout au long des 42 km qu'elle parcourt, de Schengen à Wasserbillig, la Moselle a façonné en 225 millions d'années un berceau idéal pour la viticulture. Les Celtes, les Gaulois puis les Romains y cultiveront la vigne avant que les monastères ne s'en emparent au Moyen Âge. Cette histoire est racontée aux visiteurs du musée du vin de Hennen. Ça paraît rustique, c'était un travail très rude. Les conditions se sont améliorées, les rendements aussi, et surtout au niveau de l'hygiène, il n'y a pas photo, ça a beaucoup changé. Alors ici, je vous présente donc un hélicoptère. Bon, il n'est plus en état de marche, vous le verrez bien. C'est en fait un hélicoptère qui est utilisé ou qui était utilisé pour la pulvérisation des vignobles. Alors ici, sur ce pied de vigne, je vous propose de goûter donc ce fameux auxerrois, donc très typique ici de la Moselle luxembourgeoise. Goûtez-le, vous allez voir, il est très craquant. Hein. Et quand vous allez goûter le vin, donc chez les vignerons, vous allez vraiment retrouver ces arômes de raisin très craquant, très fruité, très bon, très sucré. Donc. On est où ? Nous sommes ici à Hennen. Et on doit y aller jusqu'à Anne ici. C'est jusqu'à des kilomètres. Hein. Non, c'est pas loin. C'est, je dirais, 10 kilomètres. Mm-hmm. Et c'est là que le vigneron privé Schmidt-Fohl nous attend. Ah d'accord. Alors, allons-y. Allons-y. Pour découvrir le vignoble luxembourgeois, les producteurs ont mis en place un système de location de vélos. Première étape, les caves Saint-Martin à Rémiche. Creusées dans le calcaire entre 1919 et 1921, des milliers de bouteilles de crémant du Luxembourg y dorment dans les kilomètres de galeries. Maintenu à 13 degrés, été comme hiver, le vin y subit sa dernière mutation avant de sortir au grand jour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Je souhaite la bienvenue au cave Saint-Martin. Vous voyez cette bouteille où, justement, j'étais en train de contrôler le dépôt au niveau des bouteilles, vous voyez que ce dépôt qu'il faudra éliminer, vous le voyez ici, eh bien, ce dépôt, il faudra qu'il soit rassemblé vraiment tout au fond du goulot. Et nous y parvenons en tournant ces bouteilles d'un quart à un huitième de tour tous les jours sur ce qu'on appelle les pupitres de remuage. ...400 viticulteurs sont installés sur les versants de la Moselle. Parmi eux, Marc de Somme. Il représente la quatrième génération de vignerons de sa famille. Ce jeune chef d'entreprise a investi dans une installation high-tech et compte désormais faire connaître les vins de Moselle au-delà des consommateurs locaux. On va avoir un tout nouveau pavillon de dégustation où il y a une petite restauration, donc c'est très touristique. Et par le biais des gens qui vont passer le passage, on peut déjà bien travailler et commercialiser les vins directement au domaine. La pluie s'est invitée aux vendanges. Il faut aller vite. Sur ce terrain pentu, la récolte se fait encore manuellement. Heureusement, Marc peut compter sur une équipe fidèle, composée en grande majorité de saisonniers portugais et polonais. L'équipe, c'est des gens qui viennent quand même toutes les années, donc ils connaissent le travail qu'on recherche. Ils savent très bien faire le tri, ils connaissent le travail. Donc c'est un avantage de travailler tous les ans avec le même personnel. Oui, ils viennent d'arriver, ils sont en train de manger. Voilà, notre équipe de vendangeurs. C'est une lotte de quand même probier. Bonjour. Bonjour. Travaille ici pendant la période des vendanges. C'est donc des ouvriers qui viennent de Pologne pour nous aider. Il y a presque exclusivement que des Polonais qui vendangent. Il y a aussi beaucoup de Français qui viennent, mais qui repartent le soir. Mais les Polonais viennent ici chez nous. Ça fait 15 ans qu'ils viennent chez nous. Et presque tous, quoi. Mais c'est bien pour travailler, c'est très agréable. Fidèle. On trouve toutes les nationalités. On trouve toutes les nationalités, mais nous, on est bien contents qu'ils viennent nous aider. Marek Marin Chin Chin.
Nastrovje. Les vins de Moselle, ce sont 9 cépages différents, en majorité des vins blancs à la fraîcheur délicate, qui ne demandent qu'à être découverts de ce côté-ci de la frontière. Ah, donc c'est roi 2009. Santé. De la Moselle. Ouais. Tu sais, en faisant ce voyage ici au Luxembourg, dans ce petit pays, je ne m'attendais pas à ce que les paysages soient si différents. Ah, comment ça s'appelle ici? On est dans la région qui s'appelle en Luxembourg, voire le Mellandal. D'accord. Tu traduirais ça comment? Ah oui, la vallée des moulins. La vallée des moulins. Dans le passé, il y avait une soixantaine de moulins qui ont cessé les activités. Mm-hmm. Mais c'est tout autre chose qu'une vallée, vois bien. Hein. Plus des gorges, non? Ce sont des gorges, ce sont des falaises, ce sont des montagnes. Il y a des crevasses un peu partout, il y a des gorges très étroite, qu'on va également voir un peu après. C'est un petit peu plus ouvert, là. Là. Ah oui, on change un peu de décor. Ah oui, on sort maintenant des rochers. On est près de la vallée d'Assona. Mais regarde une fois de ce côté-ci. Il y a une formation rocheuse qui est vraiment spectaculaire. C'est l'érosion en forme de nid d'abeilles, qu'on appelle. C'est-à-dire l'eau de pluie pénètre dans le rocher, s'infiltre et puis ressort de ce côté-ci. Et à ce moment-là, lorsque l'eau s'écoule sur l'arête, ici, elle s'évapore et les grains de quartz, de sable et de calcaire se refixent sur cette arête. C'est ainsi que cette formation se développe à l'extérieur du rocher. C'est une forme d'érosion. Ça résonne quand on parle. Ah oui. Apparemment, ici, c'est un coin à champignons. Regarde, il y a quelqu'un. Ah oui, il y a David. C'est mon copain David. Tu qui le a connais? Il a un restaurant, un très bon restaurant. Ah. Il va toujours chercher des champignons dans la forêt. Il croyait qu'il était tranquille, mais pas du tout. Ah oui, bonjour. Bonjour, David. Bonjour, salut, moi c'est Sophie. Bonjour. Sophie, je garde votre main, du coup. Oulala, vous avez un beau panier. Oui. Qu'est-ce que vous ramassez, là, comme champignons? Des pieds de mouton. Et là, David, tu vas les préparer dès ce soir, ces champignons? Oui, j'ai tout de suite les préparé. Si vous avez terminé votre balade, vous êtes les bienvenus. Et puis, je vais vous expliquer, parce que j'ai une petite spécialité moi, j'aime bien combiner. Si vous voulez, je peux vous le montrer. Bon, on te laissera amasser tes champignons tranquillement, parce que Alain a encore plein de belles choses à me montrer. Oui, bien on sûr, se retrouve, tu sais où c'est, chez lui? Oui. Bon, bah, alors, on se retrouve tout à l'heure. Pas de problème. Salut, David. Bonne continuation. Salut. C'est pas très rassurant, Alain, ce nom de l'île du diable. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Les gens ne pouvaient pas s'expliquer la formation de cette région. Et pour cette raison, ils ont inventé la légende du diable. Un jour, le diable était terriblement fâché. Et à ce moment-là, il a pris cette falaise dans ses mains. Et c'est là, dans ce trou rond, que le diable a mis ses doigts. Et comme les doigts étaient brûlants, alors à ce moment-là, ça a brûlé le sol, la pierre, et le trou s'est formé. Ça faisait peur aux enfants? Ah oui, ça fait peur aux enfants. Et les parents étaient très contents d'avoir ce nom parce que les enfants ont été effrayés. Et ils ne venaient pas dans cette région au bord de ce rocher qui est à pic. Ah bon, on est arrivé chez David. Ah oui, une belle maison ici. Ouais. J'espère qu'il a eu le temps de cuisiner. Hein. Ah, j'espère bien. Avec ces champignons qu'il a trouvés. Ouais. Raconte-moi un petit peu cette recette. Mais regarde, là j'ai pris les pieds de mouton qu'on a ramassés cet après-midi. Ils ont été hachés. J'ai rajouté de l'échalote, du persil haché et puis un peu de beurre pommade. J'ai pris mon petit filet de truite. Et puis maintenant je vais prendre ma farce et je vais les remplir.
Ah oui, t'es généreux, hein. Ah ouais. Oui, il y a juste un peu de beurre dedans, c'est tout. Voilà. Et puis maintenant, on va enfourner ça à 180 degrés pendant 10 minutes, 12 minutes. Et puis, ça sera terminé. Ah ouais. Voilà, la truite farcie. Une petite fleur de capucine, qui est une fleur comestible. Alors, je mets ça comme petite décoration. Je peux goûter, David? Bien sûr. Je commence par les champignons, hein. Attention, c'est chaud. C'est excellent, chef. Hein. Vraiment, c'est merci. Très bon. L'Ardenne luxembourgeoise est la plus grande et la moins peuplée des cinq régions que compte ce pays grand comme un département français. Recouverte de forêts où s'insinuent de profondes vallées, c'est le poumon vert et la réserve d'eau potable du pays. Un environnement préservé, encore peu connu. C'est en tout cas l'avis de Ronald, hôtelier à Esch-sur-Sûre et grand défenseur des richesses de son terroir. On voit quand même que les gens qui ont été dans le pays même découvrent quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. Et il faut vraiment dire que notre nature est quand même assez bien regardée. Les voies et tout ça, je crois qu'elles sont très très bien entretenues et vraiment notre pays, comme j'entends beaucoup de fois par les Allemands, ils disent toujours que votre pays il est si propre, est-ce que chaque jour il y a quelqu'un qui ramasse sur le bord des routes? Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Du pain de campagne. Ah, c'est bien. Et tu utilises les farines produites dans les moulins d'Echtenard et de Kleinbattingen? Oui, oui. Parfait, c'est les meilleurs. Et au fait, ma commande est prête? Oui, oui, elle est là. Eh ben, merci beaucoup. Merci, hein. La grande affaire de Ronald, c'est de promouvoir les pays made in Luxembourg. Son échoppe présente ainsi le travail d'une soixantaine de producteurs locaux, dont la plupart arborent le label Woomsey, c'est-à-dire de la région du lac. Même les Luxembourgeois sur le territoire même étaient surpris qu'ils ont retrouvé ici des produits qu'ils n'ont jamais entendus. Même moi-même, je ne peux que parler, comme par exemple l'élixir de Mondorf ou la liqueur d'Echtenard, je ne le connaissais pas. Et il faut dire que nous-mêmes, dans notre propre territoire, je crois qu'on ne connaît pas encore tout, tout, tout. La bouffe, les gars, il faut courir. Manu, lui aussi, est passionné par les richesses de son terroir. Il se dit flardonnais, un mélange de sa Flandre natale et de son amour pour les Ardennes, et en particulier du cheval de trait ardennais. Je suis convaincu, et c'est bizarre pour moi de dire, moi belge, type très belge moi-même dans mon extérieur, que pour moi le cheval ardennais est tout à fait le meilleur cheval de travail. J'en suis convaincu, je n'aime pas les grands chevaux. Tout ce qui est grand et lourd dans les pentes, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En plus, il faut les donner à manger. Et dans les travaux qu'on fait maintenant, ce sont des travaux de précision. Quand j'ai un cheval qui n'est pas trop grand, tu vois bien ce qui se fait. Le cheval est beaucoup plus maniable. Ah oui, là, je suis convaincu que le cheval ardennais est certainement ce qu'il y a de mieux qu'on peut trouver en Europe. Devenu animal de boucherie plus que de travail, le trait ardennais fait un retour en force dans la campagne luxembourgeoise. Douchka qui est aussi ardennais, mais quand vous comparez avec la cheval qui est à ma droite, tu vois clair et net la différence. Vous voyez ici une tête qui est beaucoup plus expressive, beaucoup plus noble que la tête de Douchka. Douchka elle est beaucoup plus un peu prétentieuse, un peu plus sûre. Là. C'est... Moi je l'appelle la tzigane noire, die schwarze Zigeunerin. Hein? Il faut savoir aussi que dans le monde du cheval, ce n'est pas les talons qui gèrent le monde, mais c'est la jument. Et dans notre troupeau, c'est Douchka qui est la jument dominante. Donc c'est une jument qu'il faut, vous voyez, celle-là, à droite, elle peut la, il faut la commander. Allez, hop, hop, gué, pst, gué, gué. Doucement. Ce sont des collègues de travail, ce ne sont pas des outils. Ça, c'est le grand avantage de travailler avec les animaux, c'est qu'une personnalité de l'autre côté, c'est peut-être aussi un désavantage, parce que quand on sent pas le cheval te sent, il dit, va te faire foutre, ailleurs, mon grand. Ça, c'est clair et net, le cheval te dit, pas avec moi, hein. Dans les pentes des forêts ardennaises, le cheval est de plus en plus utilisé pour le débardage. Sa force herculéenne permet d'extraire les arbres sans abîmer le terrain comme le font les engins forestiers.
Là, c'est bien. Doucement, gai. Là, c'est bien, ma fille. Oh. Un pas. C'est bon, fille. Un pas. Douche-ca, un pas. Oh. Nos chevaux, on va les retrouver surtout là où les grandes machines ne peuvent pas arriver. Ça veut dire dans des réserves naturelles, dans des régions fangeuses, le long des rivières, dans les petites parcelles de propriété, et aussi pour un travail délicat, un travail fait sur mesure. Ça, c'est le grand avantage de nos chevaux. Ils font là où les autres ne savent pas venir, et nous pouvons faire au millimètre juste, mener nos chevaux comme sans faire de dégâts. Donc ça, c'est certainement dans ce contexte-là, le cheval a un avenir. L'autre intérêt du cheval de trait, c'est que lorsqu'il a terminé son travail, il devient un compagnon idéal de promenade pour découvrir lentement les paysages ardennais. Ce n'est pas parce qu'on sait faire du 250 à l'heure qu'on est le plus fort, mais même avec un petit truc comme celui-ci, c'est très agréable. À mon avis, c'est plus chic de faire ça à cheval qu'en voiture. Je cherche la famille Schleck. Ah, c'est ici. C'est ici. Oui, c'est. Vous êtes le papa. Ouais, ouais. Est-ce que vos fistons sont là? Le vieux. Est-ce que vos fistons sont là? Ils sont, je crois, ils sont en train de bricoler avec leur bécane. Ben, j'ai de la chance de les trouver alors. Ouais, hein, ouais, hein, ouais. Vous me les présentez? Ouais, mais on descend là. Ben, merci. Alors, je vois qu'il y a même un drapeau. Les voisins aussi les soutiennent? Ouais, même sur la route là. Partout c'est marqué bravo Andy, bravo. Ah, bravo, c'est Frank, bien, là. C'est bien. Ah ben voilà nos champions. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut, moi c'est Sophie, je viens vous embêter alors que vous êtes tranquillement chez vos parents. Salut Andy. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Franck? Oui, ouais. C'est ça. Ravi de vous rencontrer tous les deux. Vous savez qu'on vous aime beaucoup en France. Hein. Il y a eu des belles courses en France. Hein. Il y a eu une belle course. Ouais. Ouais, une belle course, mais pas des moindres. Une belle course qui dure 3 semaines. C'est arrivé sur les champs, c'était quelque chose d'émouvant. C'est un moment spécial. Hein. Ouais. Là, on oublie toute la souffrance, les 3 semaines, tous les sacrifices qu'on a faits. Et la récompense, tous les deux, dont vous êtes le plus fier, c'est laquelle? Une très très belle victoire sur l'Alpe d'Huez aussi. Ça, c'était en 2006. Ouais. Pour moi, ma plus belle, c'est l'étape de... pour Colto Malais. Ouais. Alors, n'écoutez pas, messieurs, mais qu'est-ce qui représente vos fils pour les Luxembourgeois aujourd'hui? Il paraît qu'ils sont gentils. Il paraît, tout le monde, c'est ce qu'on dit, hein, je ne sais pas. Hein. Alors les gens me disent toujours, tu as des garçons très très gentils, ça me fait autant de plaisir que de me dire, tu as des grands champions. Ouais. Mais pour Luxembourg, ce sont des très bons ambassadeurs, surtout les dernières années. Même en Amérique, maintenant, ils connaissent Luxembourg. C'est ça. Donc on est très très fiers. Il y a des champions là, Marco. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben aujourd'hui, on assiste là à une compétition de cyclisme. En fait, c'est le cyclocross qu'on pratique. Bon, si vous regardez les machines, c'est autrement que les vélos de course. C'est ouais, un peu différent. Ça, ouais. Hein, ouais. Voilà. Il est bien vu ici au Luxembourg. Ouais. Oui, oui. Comment se fait-il que les Luxembourgeois soient autant passionnés par le vélo? Ben, on est autant passionnés parce qu'on a aussi des bons coureurs. Ah ouais. On a des coureurs pros maintenant. Vous savez d'où je sors, oui, là? Je viens de chez les frères Schleck. Oui, oui, je connais bien parce qu'ils ont couru chez moi au club, là. Ah oui, d'accord.
À Tétange, là où je suis président, oui. D'accord. Donc vous les avez vus tout jeunes débuter? Oui, tout jeunes. Bon, ils ont commencé dans une école de cyclisme. Ouais. Et puis on les a recrutés chez moi pour en junior. Ils ont fait du cyclocross aussi, comme ça? Oui, Andy, il a fait du cyclocross, oui. Ils sont venus des grands champions parce qu'ils ont amené du talent. Ouais. Et ils ont la qualité. Bon, c'est aussi un peu père en fils, en fait, parce que Johnny, il était déjà pas mal. Hein. C'est ouais. Ça. Il y avait le papa derrière qui n'était pas mauvais. Hein. Ouais, Sacha. Ouais, Tom. Ah, il est chez moi, là. Allez, passe tout, Marianne, comme. Ah, il y a du monde par là. Ouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, eux. Honnêtement, une fois, je t'en fais. Bonjour, madame. Mais je me disais, qu'est-ce qu'ils sont élégants. On se croirait à Munich, presque. Nous sommes de Munich. Ah bah vous êtes de Munich. Oui, nous sommes. D'accord. De Munich. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une fête? Oui, une fête d'octobre des bières. D'accord. Le festival des bières. D'accord, c'est comme la fête de la bière alors. Alors Sylvia, vous n'avez pas trop la tête qui tourne? Non. Ah, parce que c'est pas facile, hein. Oui. C'est pas facile. Et même pour les hommes, c'est pas évident, hein. Oui. Montrez-moi, monsieur, comment vous faisiez comme ça, là. Et croyez-moi, il y a de l'ambiance, mais pour l'heure, c'est le moment d'en retrouver la route mythique de nos échappées belles, signée Marc Mopti. Marc est toujours à la recherche de l'âme russe. Il a descendu la Volga en étant autant marqué par les jambes des filles que par les figures de légende, comme Lénine. On peut lui faire confiance. Allez, que vogue la Volga. Moi, je vous attends ici au Luxembourg. À tout à l'heure. J'ai quitté les villes de l'Anneau d'Or où j'ai fait un peu de shopping près des monastères. Les jambes des femmes de Nijni Novgorod m'ont empêché de voir le ciel. J'ai rencontré l'islam et le jazz à Kazan, dans cet Orient en pleine Russie. Je pars rejoindre Ulianovsk, la ville qui a vu naître Lénine et ses idées. J'irai à Samara, là où le soleil se lève, sur la rive est de la Volga. Tandis qu'à Saratov, dont Gagarine était issue, je regarderai le ciel pour y chercher les poussières d'étoiles. Devant une Volga dont les rives se perdent à l'horizon, cette ville s'appelait Simbirsk, au XVIIe siècle. Ancienne cité commerçante, elle change de nom lorsqu'il y naît le fils d'un honorable bourgeois. Bonjour camarade Vladimir Ilitch Ulianov, surnommé Lénine, profession révolutionnaire, fondateur de l'URSS. Sais-tu que les jeunes mariés se plaisent à immortaliser aujourd'hui leur image devant ta maison natale? De quoi sera fait leur avenir? Un pas en avant ou deux pas en arrière? Ressemblera-t-il à tes idéaux ou à cet album de famille qui respirait la douceur de vivre? Tu tiens toujours debout après la terreur communiste. Mais le temps du profit que tu avais diabolisé est définitivement bien installé. Le diable n'est pas retourné dans sa boîte. Connais-tu le prix d'une robe de mariée aujourd'hui? Ah, l'âme russe. Beaucoup de questions et peu de réponses. Je repars donc sur sa trace. Oblomov est né sur la Volga, de Gontcharov, son auteur. Comment, dans un pays qui a souvent été mis à feu et à sang, ce personnage aussi nonchalant
a-t-il pu passer de la révolution d'octobre au capitalisme sauvage sans être pris pour un tartuffe ? S'il ne s'agissait que d'un flemmard, si ce n'était qu'une caricature comme il est coutume de l'interpréter, il ne serait pas devenu un nom propre. Oblomov est un personnage vivant et compliqué. À première vue, c'est un homme qui reste dans son lit, couché sur son canapé. Et pour lui, c'est son état habituel. Mais en fait, il y a tout un univers dans son intérieur, car chaque homme est un univers. Et Gontcharov, l'auteur a su le démontrer dans le personnage d'Oblomov. C'est pour cela que celui-ci est intéressant, qu'il continue à vivre, à étonner les gens, et qu'il est devenu un nom propre, traduit dans plusieurs langues. Si en Occident, on connaît Don Juan ou Don Quichotte, Oblomov est un personnage dont les Russes ont fait leur emblème et les comédiens un classique. Y a-t-il un Oblomov dans la salle ? Pour nous, Oblomov, depuis l'école, on ne le considère pas comme un homme qui crée, mais comme un homme qui consomme, un homme qui se détend. Il y a même un dicton russe. Il se conduit comme Oblomov. Ça ne veut peut-être pas dire ça, mais en Russie, on dit ne reste pas allongé comme Oblomov. Ne vis pas comme Oblomov. C'est mal. Gontcharov a décrit ce personnage avec tant d'amour. Il l'a entouré d'une sorte d'énigme, de douceur. Je pense même qu'il était en accord avec lui. Pourquoi dit-on qu'il restait sans rien faire ? Quelqu'un a dit que ce n'était pas un homme qui crée. Mais il cherche peut-être son âme. Il reste allongé sur son canapé, mais il est en train de travailler sur lui-même. Qui a dit que l'homme doit être actif ? Mais je suis sûr que l'énigme de l'âme russe existe. J'en suis sûr. La question, c'est comment la définir? Comment la découvrir? Elle se manifeste peut-être dans un geste de mon bras. Ou dans mes actions. J'ai traversé la Volga à la nage. C'est peut-être ça, mon âme russe. L'énigme de l'âme russe. De 100 km plus loin, notre navire arrive en milieu de matinée à Samara. En cette fin d'été, les rives de la Volga sont peuplées de promeneurs, de pêcheurs et d'adeptes du soleil. Quelques îles m'invitent à mettre le pied à terre. Des lieux saints sont visités tous les dimanches. Dévotion aux quelques 300 sources censées libérer l'âme et donner de l'énergie pour continuer le voyage. À côté, le moteur, les sièges et les pneus de la voiture sont bénis pour la route. À ces randonneurs de passage, à ces trois sœurs Sanchekov, je raconte l'histoire d'un capitaine qui m'a dit « Savez-vous que les villes russes, au bord de la Volga, ont un nom masculin ou féminin, dépendant de la rive où elles se trouvent ? Et l'âme russe, masculine ou féminine ? » L'âme russe est une âme de femme. Oui, je pense que c'est une âme de femme russe. Oui, c'est ce que je crois. Moi, je ne me suis jamais posé la question. Mais j'ai toujours pensé que c'est la femme qui était la gardienne du foyer familial. Chez nous et comme partout dans le monde. C'est à 100% sûr qu'elle est féminine. C'est la mère qui domine chez nous. En fait, ce n'est pas tout à fait du matriarcat, mais presque. La femme prend sur elle trop de responsabilités. C'est elle qui dirige, qui aime, qui apprend à aimer et beaucoup d'autres choses. Oui, bon, d'une part, l'âme russe est une femme, naturellement.
Mais d'autre part, je ne connais pas beaucoup d'hommes qui n'aient pas une part de féminin en eux. Qu'est-ce qu'on est bien ici, mon Dieu? Oui, le temps est délicieux. Jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, Samara fut interdite aux étrangers. C'est là où furent construites les premières fusées de la conquête spatiale. Même si les Russes n'ont pas marché sur la Lune, cette ville a connu des heures de gloire pendant la Seconde Guerre mondiale. Staline avait envisagé d'y déplacer son gouvernement si les troupes allemandes venaient à prendre Moscou. Il suffit donc construire un abri à 40 mètres sous terre, en plein centre, à l'insu des citadins. Certains résidents de Samara affirment que, contrairement à l'histoire officielle, il s'y est bien réfugié dans les périodes les plus critiques. Ouvert aux Russes comme au monde, depuis 20 ans, deux générations peuvent à présent plonger dans un passé qui leur a été caché si longtemps sous des tonnes de béton armé. On commence à descendre dans les profondeurs de l'histoire. Le conservateur du bunker, Anatoli Soulianov, est aujourd'hui le gardien des secrets d'État. Nous sommes dans la salle de réunion. Regardez comme l'intérieur est simple et austère. C'est à cette table-là et dans ce fauteuil-ci que le chef de l'État devait s'asseoir. Devant vous, il y a un schéma qui montre la position des parties belligérantes. Les troupes allemandes et les troupes de l'armée soviétique. C'est la ligne du front qui, en octobre 1941, passait près de Moscou. La Volga, à Koubitchev, anciennement Samara, était une barrière naturelle pour l'avancement des troupes d'Hitler. Mais ce n'est quand même pas la Volga qui a joué un rôle décisif dans la victoire des troupes soviétiques. Hitler n'a pas pris en considération le patriotisme du peuple soviétique et son amour pour la patrie. Ce soir, sur Samara, ville ouverte, le soleil peut se coucher sans mystère, sans paranoïa. J'ai mis 8 heures pour faire le trajet entre Samara et Saratov, batterie de Youri Gagarin, là où le jeune cosmonaute avait mis 1h47 pour faire le tour de la Terre en 1961. À chaque ville, sa célébrité. Pour les fans de l'espace, la visite au musée des années Spoutnik est incontournable. Youri Alexeïevitch Gagarin n'a fait qu'un seul tour autour du globe terrestre. Mais il a marqué un tournant dans l'histoire de la civilisation humaine. Il est parti du cosmodrome de Baïkonour. Il est passé au-dessus de notre pays. Quand il était au-dessus de l'Afrique, le système de freinage s'est déclenché et il a atterri finalement chez nous, dans la région de Saratov. La nouvelle a fait évidemment le tour de la Terre, encore plus vite. Qui aurait pu connaître Saratov sinon ? Plongé dans la presse de l'époque, je me sens observé par un autre Youri, photographe de profession. Quand on a lancé Gagarin, tout le monde était dans la rue. Moi, j'étais déjà photographe à cette époque-là. Et dans la rue, je photographiais les gens qui portaient des banderoles, avec des inscriptions comme « Youri Gagarin, notre compatriote » ou « Le premier Saratovien dans l'espace », des choses comme ça. Une femme racontait une histoire qui fait partie des anecdotes. Elle avait vu Gagarin atterrir avec son parachute. Il a d'ailleurs eu de la chance de ne pas se poser dans la Volga avec son parachute, mais sur un terrain solide, car la Volga n'était pas très loin.
Cette femme se promenait avec sa petite fille. Elles habitaient juste à côté. Elles l'ont vue et elles se sont approchées de lui. Il paraît que lui leur a dit « Je suis Gagarine, cosmonaute soviétique. Avez-vous de l'eau à boire ?» C'est ce qu'on raconte. De l'autre côté de la Volga, rive féminine, je me suis dirigé vers le village d'Ouzmorié, où la capsule s'est posée. Au Café Cosmos, j'ai demandé mon chemin. On me répond que c'est près de l'école, qu'il y a sûrement des gagariens qui sauront m'en parler. C'est quoi un gagarien ? Bonjour les enfants. Vous savez ce qui s'est passé il y a 50 ans dans les environs ? Nous sommes à proximité du lieu d'atterrissage. C'est pas loin. C'est ma grand-mère qui m'en a parlé. D'abord, on a vu un ballon. Et puis, on a vu Gagarine dans son scaphandre orange, qui atterrissait avec son parachute orange. Le ballon est tombé et il était très chaud. Je travaillais à la ferme et je m'occupais de la traite. On venait juste de finir de traire les vaches du matin. Beaucoup de gens, les jeunes surtout, sont allés sur la colline pour voir. Les uns y sont allés avec leur vélo, d'autres avec leur moto, et d'autres encore à pied. Tout le village était heureux. Tous les écoliers y sont allés en courant. Mais on ne laissait personne s'approcher. Quelques garçons ont pu quand même prendre quelques pièces du vaisseau. Et quelques-unes de ces pièces sont maintenant dans notre musée. Ils ont été fiers d'embrasser le héros et de partager sa joie. Quand on sera grand, on le racontera à nos enfants. J'ai 88 ans, mon cher. Comment voulez-vous que j'aille dans l'espace ? À cette époque-là, j'y serais sans doute allée. Mais c'était il y a déjà très longtemps. Moi, j'aimerais m'approcher du soleil. L'observer et descendre sur d'autres planètes. Marcher dessus. Pour moi, ce serait plus intéressant d'aller sur Vénus. Je viens de rencontrer un futur cosmonaute, Alan Morus. Anne, mais pas moi, non, certainement. Comment allez-vous, Pierre ? Et vous-même ? Séance maquillage, forcément, avant mais l'enregistrement oui. D'une émission. J'en ai pris l'habitude, désormais. Dans les locaux de la télé luxembourgeoise, oui. Hein, RTL. Oui. Pierre, tout le monde vous connaît au Luxembourg. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes un des grands personnages d'abord, du Luxembourg. D'abord, j'ai eu une profession qui m'a mis un peu en évidence, mm-hmm. en étant le secrétaire général du Parlement luxembourgeois. Oui. Et puis, RTL m'a proposé d'être dans une émission mm-hmm. tous les mardis. Et évidemment, ceux qui ne me connaissaient pas encore... Maintenant, vous connaissez grâce à la télé. Oui. C'est ça. Et vous connaissez toutes les personnalités luxembourgeoises, alors. Pas mal. Pas mal. Déjà, par ma profession, j'avais quand même des contacts privilégiés avec tous les députés qui, pendant 35 ans, se sont succédés dans la salle de séance du Parlement. Donc, ça veut dire que vous connaissez peut-être assez bien la famille Grand-Ducal. Je connais bien la famille Grand-Ducal. J'ai beaucoup de sympathie pour elle. J'ai très bien connu aussi le grand-duc et la grande-duchesse, les parents de l'actuel souverain. Et j'ai quand même pu participer à l'organisation des grandes cérémonies nationales comme le mariage royal, les mariages royaux, l'avènement au trône, les 25 ans au trône du grand-duc Jean. Je vous coupe, Pierre, mais quelle heure est-il ? Vous ne devez pas aller sur votre plateau ? Alors, je vous suis, si ça ne vous gêne pas. Pas du tout. Parce que si en plus vous êtes en retard pour le direct... Vous direz que c'est de ma faute. Je ferai une entrée fracassante.
Wunderschönen guten Abend. Um 20:07 heute Abend mit Pierre Dillenburg und Jean-Marc Schmidt. Guten Abend. Guten Abend. Wir kommen von der Umreise. Für was du? Für was das ein französisches Tolle hat dir hier? Du kannst die Mission Échappée Belle au BF5. Ja. Gib mir bis von der Parlamentsch, weil sie ja auch gerne hätten, dass ich ein bisschen über die Monarchie und Familie Grand Ducal hin und so. Palais, la partie qu'on a devant nous, avec les petites tourelles, il a été restauré récemment. D'accord. C'est la, vraiment la partie ancienne qui est de style Renaissance espagnole. Mm-hmm. Et c'était à l'époque l'hôtel de ville de Luxembourg. Mais déjà au Moyen-Âge, donc, c'est très ancien. Alors comment sait-on si la famille Grand-Ducale est au palais? Est-ce que comme en Angleterre, il y a un drapeau au sommet? Il n'est pas là. Ah, ils ne sont pas là, il n'y a pas le drapeau. Mais dès qu'il rentre par l'arrière-cour, le drapeau monte au poteau. Le grand-duc Henri règne depuis 10 ans. Il a épousé une roturière, mais d'une grande famille exilée de Cuba, de la Havane. Ils ont eu combien d'enfants? Ils ont eu 5 enfants. Ils sont tous restés au Luxembourg? Ben non, les aînés ont fait leurs études à l'étranger. Le grand-duc héritier doit être plus présent. Maintenant, il a terminé ses études. Il a quand même déjà des missions officielles ici. Il accompagne souvent des ministres dans des missions à l'étranger pour faire un peu la promotion du pays. Généalogique de la famille Grand-Ducale. Hein? Oui, on l'avait. Et je crois qu'on ne l'a pas posé encore. Vous avez pourtant une rarité, une assiette. Oui. Je me demande comment elle aboutit ici. Cette assiette, là. Elle est très exclusive. C'est moi qui l'ai dessinée pour le dîner d'adieu au Grand-Duc Jean et à la grande chaise de Vigne Charlotte dans la salle de séance du Parlement. Est-ce que la duchesse, par exemple, vient ici prendre... La grande duchesse, Maria Teresa, voilà. Vient ici pour prendre un café, des fois. Bien sûr, ils étaient déjà, le couple. Oui. Il était, et les enfants aussi, une partie des enfants. Le Luxembourg est une terre de châteaux. La densité de forteresses et de demeures seigneuriales y est impressionnante. Qu'ils soient en ruine ou parfaitement entretenus, beaucoup sont accessibles au public, comme la forteresse de Beaufort datant du XIIe siècle et laissée à l'abandon pendant 300 ans. Voilà, ici, on avait une chambre de garde. Alors, le garde, il habitait ici avec toute sa famille. Il faut voir, ici, il y avait la salle de séjour. Il y avait des petites places où il pouvait se mettre. On avait une table, c'était qu'une planche où il mangeait. Et le soir, ils arrangeaient tout. Il y avait de la paille sur la terre et il se couchait comme ça, sur la paille. Eh ben, ici, on est dans la prison du château. Il faut bien s'imaginer que c'était noir, pas de lumière, et humide. C'est-à-dire, c'est aussi la prison du peuple, pas des chevaliers. Le clou de la visite, la salle de torture où le visiteur prend la mesure de l'imagination de nos ancêtres. Il y a la table. On les mettait dessus et on les... avec les pieds là, avec la tête là, et on tournait. C'était un masque. Du moment qu'on a dit des mensonges, on mettait le masque et on exposait la personne sur le marché pour faire voir aux autres mondes qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas bien. Ici, on devrait mettre les mains comme ça en dessous, ou bien un doigt, ou bien toute la main.
Et là, on coinçait. Attenant à la forteresse, le château Renaissance est lui toujours habité par l'une des deux dernières châtelaines du Luxembourg. Anne-Marie Linkels, 95 ans, vit depuis 75 ans au château de Beaufort. C'est un petit étang là-bas, et puis on voit le vieux château. C'est une très très belle ville, vous voyez l'entourage ici, n'est-ce pas, qui est vraiment extraordinaire. Alors on peut être très très contente de pouvoir vivre dans un lieu aussi parfait. Alors c'est ici qu'il y a les portraits des habitants qui étaient dans le temps ici, et celui-là, ça c'est celui qui a fait construire ici ce château fort. Nous sommes dans la salle à manger, et ici, c'est très bien fait, il y a encore les armoiries des gens qui habitaient dans le temps ici. Et on a assez de place pour pouvoir faire manger 24 personnes, ça suffit en grandeur. Pas de titre de noblesse, ni d'armée de visiteurs. Madame Linkels a vécu sa vie de château comme on mène une carrière professionnelle. Il faut s'occuper de beaucoup de choses, ce qui rend tout ça très intéressant. Ce n'est pas comme des châtelains dans le temps, mais on est comme tout le monde, n'est-ce pas? Et on s'occupe aussi de beaucoup de choses qui sont absolument nécessaires à faire. Parce qu'autrement, c'est très dommage d'être dans un château qui est délaissé. La légende raconte qu'un seigneur pétri de jalousie aurait tué son épouse avant de se donner la mort. Depuis, on entendrait, dit-on, leurs âmes hurler autour du château. Élevé entre ces vieilles pierres, le jeune comte d'Ansembourg a baigné dans cette ambiance mystérieuse. C'était notre terrain de jeu. On découvrait chaque petit coin, les tunnels cachés. On essayait de trouver les trésors cachés, bien sûr, et on ne les a pas encore trouvés. Formé dans les meilleures universités américaines et promis à un bel avenir professionnel, Gaston d'Ansembourg a pourtant choisi de consacrer son énergie à faire revivre le château familial. S'appeler d'Ansembourg et d'habiter à Ansembourg, c'est quelque chose au fait qui est important personnellement aussi, pour la famille aussi. La famille, bien sûr, il serait vraiment dévasté si on devait perdre ce domaine familial. Maintenant, c'est une certaine responsabilité de pouvoir le garder et de le donner génération après génération, si tout va bien, avec un patrimoine qui n'est pas seulement une charge, mais quelque chose de rentable. Au jeune et beau comte, seul dans son château, il ne manquait qu'une belle au bois dormant. Le comte de fées naîtra au hasard d'une rue, par la rencontre avec une jeune et belle Estonienne. La première année, je ne lui ai pas dit qui j'étais ni d'où je venais, jusque vraiment un an plus tard où j'ai réalisé que c'était une personne et qu'elle me connaissait pour qui j'étais. Et à ce moment-là, on est venu au Luxembourg en surprise où elle a découvert cet endroit-ci complètement émerveillé et ébahi. C'est un peu un mythe de la paysanne d'Estonie qui rencontre le prince charmant et qui vient habiter au Luxembourg dans un château fort avec un comte. Et donc tout est possible et qu'on peut rencontrer au coin de la rue un prince charmant. Ainsi, devant tout le Gotha du Benelux, le comte et sa belle roturière se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Alors là, on est au palais grand-ducal ou nous sommes chez vous ? Tout petit quand même. C'est votre petit palais. Mais c'est quand même la remarque qu'on me fait parfois. Oui. Parce que les gens ne s'attendent pas quand on arrive chez moi. C'est quand même un immeuble plutôt quelconque. Mm-hmm. Et alors, c'est un effet de surprise, évidemment, en arrivant au dernier étage. Et puis, subitement, on se trouve ailleurs. Et, et puis, il y a des gens aussi qui disent « Oui, c'est très impressionnant, mais moi, je ne pourrais pas vivre dans un intérieur pareil. » L'essentiel, c'est que vous puissiez y vivre, oui, vous. Oui, mais moi, je réponds toujours, mais qui vous y oblige? C'est ça. Vous faites même la couverture des magazines de décoration. Oui, c'est chez vous, ça, avec les tissus là que je reconnais? Oui, regardez, il y a même l'intérieur qu'ils ont. D'accord, vous inspirez énormément. Oui, c'est une dame néerlandaise qui a fait ce livre sur des intérieurs luxembourgeois. Je l'ai aidé un peu à ouvrir les portes. Et puis, elle a fait un deuxième volume
Et ces deux livres ont eu un énorme succès parce que ça a quand même incité la curiosité des gens. D'où vous vient cette passion pour la décoration alors? Je viens quand même d'une famille plutôt artistique. J'ai eu un grand-père qui était un artiste peintre, dont le frère était très connu, et surtout le fils de celui-là, Henri Dillenburg, est devenu un des plus grands peintres modernes luxembourgeois. Il y avait d'autres personnages comme ça dans votre famille? Dans ma famille, malheureusement, je n'ai pas connu mon grand-père qui est mort très jeune, à 36 ans. Mais on me dit toujours que j'ai hérité, ça se fait souvent, on saute souvent une génération. Donc j'ai hérité apparemment de beaucoup de... C'est parce que lui aussi, il écrivait des petites pièces de théâtre, il jouait plusieurs instruments. Il peignait, il avait fait l'école d'artiste à Vienne. Enfin, à l'époque, c'était quelqu'un. Et Pierre, vous avez reçu chez vous la famille Grand-Ducale ? J'ai reçu les actuels souverains du temps qu'ils n'étaient pas encore sur le trône. J'ai reçu... son frère, le frère du grand-duc, sa cousine. Mais ce sont des amis comme beaucoup d'autres. Et je sais qu'ils ont été reçus aussi chez beaucoup d'autres de mes amis. Donc ça signifie que les actuels souverains mènent une vie plus ouverte et veulent avoir un contact plus rapproché avec leurs sujets. Ça leur a plu chez vous? Il faudrait que vous le leur demandiez. Mais je sais qu'ils étaient très enchantés de la décoration qu'on a fait ici. Je peux vous inviter à jeter un coup d'œil dehors? Oui, avec c'est plaisir. Beau, on continue la visite. Regardez la vue. Pardon. C'est pas magnifique? Ah oui, on voit des vaches de chez vous. On n'est pas seulement au 7e étage, on est même au 7e ciel. Regardez, c'était agréable. De ce côté-ci, c'est la campagne, de l'autre côté, c'est la ville. Et encore l'autoroute, c'est-à-dire, elle invite au voyage. Non, c'est parfait. Salut, Paolo. Ah, Sophie, t'es là, salut, ça va? Oui, je voulais pas partir sans te dire au revoir. Ah bah, je suis content, ça me fait plaisir que tu aies encore pensé à moi. Bah oui, j'ai commencé ce voyage avec toi, il fallait absolument que je termine ce voyage avec toi. Et ça t'a plu, escapade au Luxembourg? Bah oui, ça m'a plu, mais j'étais très surprise, parce que alors, non seulement j'ai rencontré un photographe, mais en plus, là, je viens de quitter un chroniqueur mondain, j'ai fait la connaissance de deux champions cyclistes, et en plus, grâce à toi, j'ai rencontré l'homme le plus fort du monde. Il y a vraiment des personnages au Luxembourg. Ça t'en fait des souvenirs, des personnages vraiment qui méritent d'être connus. C'est vrai. Puis, j'espère que comme ça, ça te donne une autre idée de ce pays, de ce petit pays. Oui, ce petit pays auquel on ne pense pas forcément pour venir en vacances ou en week-end. Et j'ai envie de dire finalement, pourquoi pas, hein. Merci beaucoup pour ton accueil en tout cas. Je t'en prie. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et faites de beaux voyages. Tu prends quoi là en photo, le Grund? Bah, le Grund.